d'eau. Donc d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a un trou dans les lignes d'horreur. Donc tous ceux qui ont été choisis pour le concours, c'est ceux qui ont été nous voir sur Instagram. C'était bien précisé que c'était donc, sur Instagram. Pourquoi il y a un trou dans les lignes d'horreur? Donc que ce soit les 10, les 25, les 5, tous, pourquoi il y a un trou? Donc tous ceux qui ont été choisis, c'est aussi parce qu'ils avaient répondu à la question. Donc il y a eu de toutes les définitions possibles. Il y en a qui mettaient les 3 définitions, il y en a qui montaient que une et tout ça. Donc la première que nous on a vue, c'était pour économiser du fer. Du métal. Du métal. Et la deuxième, plus simple, c'est parce qu'il y avait la ligne d'or et une autre pièce qui se ressemblaient beaucoup, beaucoup. Ils se ressemblaient vraiment super. Et du coup, pour les différencier, les lignes d'or, on a fait un trou dedans. Voilà. Et ça s'inspire également, oui, des pièces chinoises, Sapec, ouais. C'était après les années 14, 1914 en fait, après la guerre. Voilà. Donc on commence le tirage, donc tu mets tous donc les papiers. Donc on va mettre tous les papiers dedans. Ouais. Tiens. Dans la belle pochette des trucs, petite pub. Qu'on a gagné un concours. Oui, qu'on a gagné. C'est notre sac à merdouille. Avec le signe des truffes dessus. Ouais, quand on trouve des merdouilles en détection, on les met dedans. Pour les jeter à la poubelle après. Bon, bah, pas toutes les merdouilles. Pas toutes les merdouilles, il y a des merdouilles qu'on garde. Donc on commence. Première ligne d'horreur. Donc première gagnante, on pense. Lolotte 26. Je vais plus derrière. Donc il y a le petit papier dedans et on met la pièce. Voilà. Hop. Je contacterai les gagnants sur Insta. Le deuxième. Pardon. Lucas BRGE. Ok. Je pense. Voilà. Moi je vais mettre le petit papier et on met la ligne d'eau. Hop. Travail d'équipe. Ok. Il n'est pas sorti. Non, il est tombé. T'es sûr? Je l'ai entendu tomber. Non, je crois que. Mais si, il est là. Ah oui. D'accord. Donc, Louis de Vie, je pense. De Vrie. De Vie. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Mais bah, j'écris mal, dis-le. Oui, t'écris mal. Et on met la bindo dedans. Quatrième. Il me semble, ouais. Alpeny et Jousse, ok, pardon. Ok. Alors j'en avais pris. Petite ligne d'eau, hop, voilà. Allez, vas-y. Cinquième. Ions. Ah ouais, Polo, j'arrive je pas. Je vois, je vais. Ok, lieutenant X. Ah, ok. T-shirt de la NASA. Hop, un peu grand. Un peu beaucoup. Petite ligne d'eau. Hop. Et on pioche. Allez, encore 5. Honte. Oh, je vois. X-ni, c'est ça? Honte X-ni. Ok. Attendez, je vais juste. Oh,
mettre tous les papiers dans le fond. Tu mélanges bien. Voilà, on va mélanger. J'en ai pris deux. Ah. Bah remets. Hop, te remélange. Ouais, puisque le cadeau. Ouais. Ok. Oh lolo. Stubboon. Stubboon. Potatotella. Ouais. Stubboon. Potato. Et Nindo. Et il en reste 3. Donc attendez, je mets dans le fond pareil parce qu'après, c'est trop simple. Il y en a qui sont mis là beaucoup devant, qui se mettent ouais, devant. Ouais, puis du coup, tu ne pioches pas. Ouais. Ok. Noan. CHV, okay. Je pense. Et la petite Nindo. Et la Nindo. Encore deux. Encore deux. J'arrive pas à le choper, elle. Nalido 89. Nalido. Ok. La petite Lindo. Et la petite Lindo. Ça marche. Dernier Lindo. Attention, attendez. Tu regardes pas dedans quand tu mélanges. Non. Ouais. Attention. Ouais. Le grand gagnant de la dernière Lindo sera. Comment le tambour? Jajeraïda. Saïda. Ah oui. Donc Jajeraïda. Ah, on est content de te faire gagner une pièce. Cool. C'est une fidèle. Depuis longtemps. Ouais. Non, je vais juste marquer Aïda dessus. Oui, comme ça je saurai. Hop. Et le petit papier. Voilà. Et donc, ça, c'est pour Aïda. On a oublié de dire que le trou dans la Lindauer, alors peut-être que ça servait à accrocher un cordon. Oui, on nous a dit aussi sur Instagram, ça peut être vrai. Oui, sûrement. Que les gens, dans le temps, utilisaient les Lindauer pour les mettre à un fil, pour les accrocher à leur pantalon, en fait, à leur ceinture ou des trucs comme ça. Pour les garder et accrocher à un fil. Donc si ça se trouve, c'est vrai. Parce qu'il y avait beaucoup de pièces dans les porte-monnaies que c'était lourd et que du coup, ça pouvait avoir cette utilité-là. Nous, on n'a rien trouvé sur Internet qui le confirme, oui, voilà. Mais sûrement, hein, ça, à mon avis, il y en a bien un ou deux qui y a pensé à utiliser les Lindauer. Oui, comme je ça. Pense. Ok.